Donc alors moi j'ai connu Mikit parce que j'ai été client Mikit, donc j'ai construit moi-même une maison Mikit. D'accord, votre propre maison. Voilà, ma propre maison, on a habité une maison Mikit. Ça m'a d'abord fait découvrir le produit. C'est un produit qui m'a plu et je me suis dit pourquoi ne pas le commercialiser. Donc l'an était pas très loin de chez moi et je suis devenu franchisé Mikit à l'an. Qu'est-ce que le réseau Mikit vous a proposé pour vous accompagner dans la création de votre entreprise? Alors moi n'étant pas du tout du secteur de la maison individuelle, j'ai vraiment tout appris avec Mikit. Donc Mikit nous a proposé vraiment l'ensemble des formations pour connaître notre métier. Et donc j'ai vraiment appris l'ensemble du métier chez D'accord, Mikit. Parce que quelle activité est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans l'aéronautique. D'accord, donc rien à voir. Un secteur rien à voir. Et donc ça fait 4 ans maintenant que vous êtes en activité. Est-ce que vous avez un premier bilan de ces 4 années? Oui, un bilan positif. On arrive au bout de 4 ans à avoir un certain nombre de maisons conséquentes. Une expérience entrepreneuriale très très intéressante. Une diversité des métiers qui va du commercial au technique en passant par la gestion d'entreprise qui sont très enrichissants et très valorisants personnellement. D'accord. Est-ce que vous conseilleriez ce réseau à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat sur ce secteur-là? Alors oui, je le conseillerais. Déjà d'une, parce qu'on est très bien accompagné et de par la richesse de notre métier. Le contact humain, les relations humaines avec les autres, c'est très très intéressant.